Ça saute. Le pire, c'est que je suis pas prêt. Comme d'hab, de toute façon. T'es en train de feuiller? C'est en train de rouler sur ton amorcillère. Putain, la vache, merde. Tu pourras pas dire que j'ai pas fait de très très gros efforts pour que tout soit bien, que t'es... Putain, ouais. Franchement, tu m'as préparé tout pour la vidéo, c'est top. Et c'est pas fini. C'est pas fini. Non. Elle était belle en plus, hein. Commune. Bon, il y a au moins une carte. Mais là, en même temps, ouais, Thierry, t'as un peu la pression parce que t'es obligé d'en sortir, du coup. Ouais, là, j'ai pas le choix, là. Là, t'as pas le choix. Salut les amis, de nouveau au bord de l'eau, ça fait plaisir, ça fait du bien, j'en avais besoin. J'ai loupé cette année la saison automnale. Bon, les conditions climatiques, un peu moins de motivation, on va dire, vu les conditions. Mais c'est comme ça, c'est la pêche. Donc là, je peux dire aujourd'hui, je ne sais pas si je vais faire du poisson, mais en tout cas, ça me fait plaisir d'être au bord de l'eau. Voilà, un nouvel endroit encore aujourd'hui. Une nouveauté pour moi, non, parce que je connaissais quand même cet endroit. Ça fait 5 ans que j'étais pas venu. Donc nous sommes toujours en Normandie, près de Deauville. Nous sommes à Saint-Arnoux, dans une rivière morte. Il y a un petit cheptel, c'est un parcours qui fait, si je ne dis pas de bêtises, il doit faire 3-4 km de longueur. Et en fait, c'est une rivière morte qui communiquait par le passé avec la mer. Donc on est dans une zone avec de l'eau un peu saumâtre. Mais sinon sympathique citre. Par contre la chose particulière en fait, c'est que c'est du urbain, c'est à dire qu'on est dans le centre-ville. En fait vous faites 200 mètres, vous êtes à Deauville. Donc on profite d'une accalmie, d'une journée en fait. Demain j'ai une journée de repos, je pensais aller faire un petit film, mais ils annoncent 90% de pluie en Normandie. Donc j'ai juste cette fenêtre aujourd'hui et j'aurais pu aller pêcher sur mon carpodrome. Et puis j'ai voulu changer un petit peu, puis vous faire voir autre chose, quoi. Voilà. Au niveau technique aujourd'hui, je vais pêcher uniquement au feeder. J'ai une canne montée à la cage, une aux méthodes. Je vous verrai tout à l'heure au cours de la vidéo, je vous montrerai un petit peu les montages. Mais concernant la cage, c'est le même principe suite à ma dernière vidéo que vous avez vu, que j'avais fait avec une farine qui est ici. Bon, là j'en ai fait un peu beaucoup même. Je n'utiliserai pas tout ce qu'il y a là, mais c'est juste pour vous montrer. Voilà, une farine avec du maïs doux. J'ai broyé aussi du pelé fish and feed du Diablesse. Et j'ai mis aussi un peu de farine de riz pour essayer de faire quelque chose de... un petit nuage blanc, on va dire, quoi. Et bien sûr, j'ai fait aussi, petite dédicace à Sébastien Rousseau, du chenvi ébouillanté, j'en ai fait hier soir. Donc toujours pareil, hein, si ça vous intéresse, je vous invite à aller sur son site. Je vous laisserai dans le descriptif de la vidéo, juste en dessous de la vidéo, vous pourrez avoir ce lien de son site. Voilà, ébouillanté aussi pour avoir quelque chose qui pépite dans l'eau. Au niveau poste de pêche, bah, vous en doutez, comme généralement, on a une pêche, on a une bordure ici, il faut qu'on aille pêcher sur la bordure d'en face. Donc là, je pêche vraiment dans la bordure d'en face, où vous voyez les roselières. Dans le renfoncement, bah j'essaie d'atteindre, d'y aller. Donc là, j'ai exceptionnellement aujourd'hui, je pêche à deux cannes. Vous vous doutez bien qu'on ne va pas forcément avoir beaucoup de touches. Voilà, voilà. Donc mon approche, cette fois-ci, j'ai mis deux cannes, comme je disais. J'ai ma canne de d'habitude, ma 3,30 m de chez Preston, la spéciale méthode, la Monster. Et j'ai sorti ma canne d'agua qui en 3,90 m, parce que là j'ai quand même une distance de 50 mètres. Il faut être assez précis. Bon, moi je suis pas un excellent lanceur, et du coup bah, ces distances là on commence à faire un peu amorce un coup à gauche, amorce à droite, alors qu'il faut essayer d'être précis, quoi. Mais bon, j'essaye de me débrouiller, j'arrive quand même à atteindre mon objectif avec la canne de 3,90 m. C'est vrai que la canne de 3,30 m, je commence à être limite. Il faut vraiment que j'appuie sur le banc de la canne pour y atteindre aux méthodes. Donc la canne de 3,30 m, elle est montée aux méthodes, et la canne de 3,90 m à la cage. Voilà, voilà. Je vais relancer mes lignes et puis on se retrouve en espérant avec un poisson. A tout à l'heure, les amis. Bon, bah, les amis, comme fallait s'y attendre, la pêche est un peu difficile.
Bon, dommage pour moi, là je commence, bah là ça faisait 2 heures et demie, 3 heures que j'avais aucune touche depuis que j'ai commencé à pêcher en fait. Non, pour le moment non. Il est quelle heure? Bientôt 14 heures. J'ai loupé mes poissons, je décroche un poisson tout à l'heure vers midi et demi. Et j'enchaîne une touche derrière et je décroche au ferrage, ben, c'est pas piqué. La pêche est vraiment difficile, bon c'est un peu normal, hein. Je pense qu'on est quand même au mois de décembre, faut pas l'oublier. Et il n'y a plus d'activité. Ce matin en arrivant, on a vu quelques poissons sauter. Et j'ai mon collègue Olivier là qui est en train de se restaurer, mais il a fait une petite carpe tout à l'heure de moins de 2 kg. Bon, lui il sauve le capot. Là ça sent pas bon, mais bon c'est pas grave, déjà j'ai pris l'air. Et là on a un vent d'est qui vient de se lever et il commence à faire froid, donc je sais pas ce que ça va donner les amis. J'espère vous faire montrer au moins sauver le capot, ça sera mon premier capot de la saison, mais bon ça arrive à tout le monde et c'est dur. Donc concernant les appâts, donc du pelé pour monter sur le méthode feeder, vous connaissez, hein, je pratique toujours la même pêche, hein, essayer de pêcher le plus simple possible sans se prendre la tête. Bon, bah aujourd'hui je pense que je peux avoir des super appâts. Il suffit que là je pense que les poissons ils ont un peu la bouche fermée, il a plu beaucoup cette nuit, ça a peut-être refroidi la température de l'eau, et après si vous perdez 2-3 degrés ça peut vite stopper l'alimentation des poissons. Et concernant la cage, donc là vous voyez, hein, j'en ai fait largement trop, on est au mois de décembre, bon j'ai trop mouillé ce matin, je vais tout ramener à la maison, je vais mettre ça dans un sac au congélateur et puis je m'en resservirai, hein, c'est pas la peine de gaspiller. Ouais, du moins, j'espère que tout à l'heure si je rouvre les caméras ou je rallume les caméras, ce sera pour vous montrer un fiche ou un petit combat, mais là ça craint un peu du boudin. Allez, on croise les doigts. Je vous montre l'acquisition pour la saison 2020. J'espère pouvoir faire des petites vidéos un peu sympathiques. Il y avait longtemps que je voulais acheter un boîtier. Bon, là je suis en train de m'habituer parce que l'objectif c'est de pas tourner en automatique mais de travailler en manuel. Ouais, donc il faut apprendre avec l'autofocus, la balance des blancs, enfin, et la vitesse d'obturation. Donc là je suis en plein dans les cours façon de parler. Donc voilà la petite acquisition que je me suis fait pour la chaîne YouTube et puis aussi pour me faire plaisir, pour faire des photos aussi un peu plus sympathiques, parce que c'est pas aussi que pour faire la vidéo. Bon les amis, je vais ranger le matériel parce que le froid arrive là, ça commence à cailler et la pêche est très difficile pour moi. Moi j'ai mon collègue Olivier qui s'en sort très très bien, il fait quand même 2 ou 3 poissons et il finit par une brème là. Et moi qu'une ligne, j'ai décroché, j'en découvre. Ouais, peut-être que le poisson s'accrochait à l'hameçon, franchement sans forcément manger mon appât quoi. Donc difficile, bon c'est pas grave, hein, c'est la pêche, hein. On est au mois de décembre, donc j'étais content d'être au bord de l'eau, mon premier capot de l'année, ça arrive. Bon, j'ai pas encore fini de pêcher, mais là je suis en train de ranger le matériel, mais il y a forte chance que ça sera le capot, un beau petit capot de l'année, en vidéo en plus. Bon, je ferai peut-être une vidéo pour la fin d'année, on verra bien. En tout cas, merci beaucoup pour vos encouragements, pour vos messages. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager. Et pour les gens qui découvrent cette chaîne, bah, si vous le désirez, je vous invite à vous abonner sans oublier d'appuyer sur la cloche de notification qui vous permettra d'être averti quand je posterai de nouvelles vidéos. Sur ce, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous dis à très bientôt. Ciao les amis. Bye bye.